C'est quand tu veux. Histoire ou âge de guerre du coup? Histoire. Finir emprisonné, piégé, dépossédé de mes pouvoirs, je méritais tellement mieux. C'est moi qu'ils cherchaient. J'étais leur reine jadis. Maintenant, ils seront mes bourreaux. Et puis soudain, une faille est sortie de nulle part. Elle était différente, plus fragile. J'ai senti que je retrouvais une once de pouvoir, mais ce n'était pas assez pour contrôler le moindre petit orque. Pourtant, cette faille était ma porte de sortie. À peine l'avais-je franchie que je l'ai vue. Lui, il était là, planté devant moi, avec son sourire de benêt collé aux lèvres. Je n'avais qu'une chose à dire. Cours ! Benêt, dis donc. On est passé à un tower defense en fait. Ouais, en gros c'est ça, ouais. Parfait. Sauf que tu dois pas juste que mettre tes défenses, tu dois aussi gérer activement tes défenses. Il y a toujours de l'écho en fait. Oh. Ouais, c'est pas grave. Donc là normalement tu dois choisir tes armes ou tes pièges. Ah ouais, ok. Quand tu regardes en bas à gauche, t'as combien qui te reste? 1630. Ah ouais, donc ok. Ah, ok, ça va. Je pensais qu'en fait, c'était. C'est ce que je te disais, que c'était divisé. Et tu. Au revoir. Magnifique. Grandiose comme début. C'était magnifique. Je te jure, on devrait reculer. Il n'y a pas de témoin. Je ne suis pas là. Bon, du coup, t'es où? Mais je ne sais pas, je ne peux pas bouger. En fait, en attendant, parce que je peux. Je peux pas me déplacer. Ok, je me suis suicidé, tout va bien. T'as posé tous tes pièges? Et comment je le désélectionne le truc? T'appuies sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur tes touches. Mais ça réagit pas en fait le 3. Clique droit alors. Non plus. Dis-moi que t'as choisi au moins une arme. T'as pris combien de pièges? 1, 1. Putain, t'avais 3 cases, bah, c'est pas grave. Tu peux mettre que ça et c'est ta seule arme, donc t'es obligé de jouer avec pour l'instant. Jusqu'à la prochaine vague. Ça va être chouette. Bon, allez, on envoie. De toute façon, t'as pas le choix. Il faudra que tu prennes une arme. Ou alors on lance la partie. Non, on va faire. Attends, on va faire simple. Dis-moi que tu peux choisir tes armes. Ah, ok, parfait. Donc prends-moi genre un harpon ou je sais pas ce que t'as comme arme. Ok, c'est bon. Et normalement tu peux en choisir 3, je pense. Ok.
Donc en fait la flèche que tu vois qui a enfin les lumières qui défilent, c'est le chemin que vont prendre deux fils les orques pour arriver à jusqu'au bout de la map. On sent qu'elle a réflexion. Non. Et non, juste non. Tu me dis quand t'as fini, hein. Sinon normalement tu peux lancer la horde. Oui, on va voir ce que ça fait et puis après on ajustera. T'as mis un piège? Non, j'en ai mis deux. Ah ouais, mais c'est... Ils peuvent t'attaquer indirectement, donc faut pas hésiter à frapper. Il y a une touche pour ramasser les... Quoi, les bonus? Non, tu passes juste dessus et ça c'est pris automatiquement. J'ai une fiole de... je ne sais quoi. Ils arrivent, hein. Seigneur. Les fioles rouges c'est de la santé, les fioles bleues c'est du mana. Oui, mais comment on les chope? Tu marches dessus et si tu les prends pas, ça veut dire que ton mana est full ou que ta santé est full. Attends, t'as déjà relancé la nouvelle vague? Oui. Elle s'est lancée toute seule? Mais c'est moi qui ai fait ça. Oh. Et encore une fois, je suis tombé. Tu peux te lâcher hein, sur les pièges, tant que t'as de l'argent. J'en ai pas beaucoup. T'as combien? 4 800 000. Mais oui, tout à fait. Tu sais qu'un piège le plus petit, ça coûte 300, hein. 400.
C'est vrai, après il faut que. Oui. Ouais. Ah ouais, et pendant qu'ils attaquent, étant donné que quand ils meurent, on gagne de l'argent, on peut continuer à poser des pièges, hein. Putain, en fait, c'est vache, c'est 3 fois plus dur, quoi. Mais quoi, en fait, on va se taper la même vague à chaque fois? Ben non, t'as pas vu, ils Non! sont plus puissants. Enculé! Mais Mais le qui truc, peut c'est que faire moi, ça? ces ennemis-là, je les ai jamais vus avant le 3e ou 4e niveau. Ah, d'accord. D'accord. Ah ouais, là, ah oui, non, c'est vachement plus difficile, quoi. D'accord. Oh putain! On a perdu. On a complètement perdu. Pas complètement, on a un petit peu perdu. On réessaye? Allez. Putain, le pire, c'est que j'adore ce genre de jeu, mais là, pour le coup, je sais pas. Les 5 tomes, tu Je l'avais essayé avant? sais pas. Putain, je suis en train de voler. Deux. Attends. Ah, ah. Non, ça va, 14. J'ai congelé. Mets un pull. Ah non, mais j'ai déjà, mais j'ouvre la fenêtre. Je mérite tellement. Je vais mettre des pièges de pute. De quoi? Je mérite tellement. On est go? J'ai décidé. Comment il est dégagé? Merde, j'ai fait une énorme connerie là. Ouais, j'ai fait une énorme connerie. C'est que ça envoie les ennemis directement ici. Je suis décédée. T'es Oh morte? putain. Et j'ai ripopé à un endroit qui est pire que celui où je sais. Je te vois même pas sur la map, à vrai dire. Je suis pas morte. Ok. Attends, je suis. Je sais pas du tout. Et mais je suis légal. Oh là là. T'es où? Ah, t'es là. Derrière. T'as quoi comme tir secondaire? J'en ai pas. Avec clic droit, ça fait quoi? Quasiment la même chose en fait. Ah. Enfin, je vois les trois différences. À part qu'ils gèlent pas quand je fais un double. Ah ok, donc toi tu peux les geler sur place. D'accord, ok. Non mais c'est bon à savoir, moi je peux les exploser. C'est vrai que le double il gèle. Pas eu le temps. Combo.
Je sais pas exactement ce que j'ai comme portée non plus. Putain, c'est terrible, qu'est-ce que tu vois, t'as c'est mis? gel. C'est du poison que tu rebalances sur la gueule. C'est de la dague. Classe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le truc sur la gauche, c'est du poison. Pourquoi est-ce qu'ils explosent dans un océan de love et d'amour et de cœur? Mais non, c'est un océan tout dégueu, mais... Pour rendre ça un petit peu plus cute. Il y a trop d'infos. Je ne comprends rien. Peut-être qu'un classique aurait été plus unique. Il met un arc en plus. C'est qui ça? C'est un archer que j'ai mis. Ouais, il est là. C'est à toi? Ouais, je pouvais le mettre. Non, mais déjà, t'as une tête de citrouille enflammée. En plus, tu sais invoquer des archers. Et ouais, je peux faire plein de choses. Notre jeu. Allez. Ouais, honnêtement, je vais être franc avec toi, j'en chie deux fois plus en coop qu'en simple. C'est souvent le cas dans les jeux quand même. Quoi? J'allais dire c'est souvent le cas dans les jeux, non? Bah, tu sais, il y a des fois, il y a des jeux, ils sont déjà suffisamment durs en simple ouais, quand tu joues en coop que tu vois pas trop de différence. Mais là. Elle est massive. Tu vois, ma douleur, elle a un nom, quoi. Oh putain! Putain, mon archer, il est mort. No! No! Yes. En vrai, je crois qu'on a réussi là.